Ce coup-là, les fans de Top Chef ne l'avaient pas vu venir. Ce mardi 31 août, le chef Michel Sarran, présent depuis 7 ans dans l'émission de M6, est apparu dans une courte vidéo sur son compte Instagram pour délivrer une bien triste nouvelle. J'ai une annonce à vous faire, et ça concerne Top Chef. Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine. M6 ayant décidé de changer le jury, voilà. L'aventure s'arrête pour moi. Sachez une chose, vous allez vraiment me manquer. Mais on se retrouvera certainement. À très bientôt, merci à tous, a-t-il expliqué sans donner plus de détails sur son éviction. De quoi désoler les fans du chef doublement étoilé mais aussi les candidats qui s'étaient succédés dans son équipe jaune, parmi lesquels Pierre Chaumet, Thomas Chicholm ou le chef itinérant Arnaud Baptiste. De quoi faire réagir aussi son complice et rival de l'émission, le volcanique chef Etchebest, qui a immédiatement rendu hommage à Michel Sarran. Très heureux d'avoir partagé ces années à tes côtés mon ami. Tu vas nous manquer, a indiqué le chef du quatrième mur sur son compte Instagram. Selon des informations dévoilées par Le Parisien, c'est le chef triplement étoilé Glenn Vielle qui s'était invité à plusieurs reprises dans les épreuves de la saison passée qui remplacera Michel Sarran. Mais il sera difficile de faire oublier le juré à l'accent chantant si bienveillant, comme en témoigne le doux message publié par Hélène Darroze sur son compte Instagram il y a peu. Mon Michel, tu vas tellement me manquer sur le prochain tournage de Top Chef sur M6. Merci, merci pour tous les bons moments que l'on a passés ensemble ces dernières années. Que de bons souvenirs qui resteront à jamais dans mon cœur, a indiqué la chef du restaurant Joie en légende de deux photos sur lesquelles elle figure avec Michel Sarran. Un message auquel le chef toulousain s'est empressé de répondre. Merci Hélène. Vous allez me manquer aussi, j'en ai peur. Mais la vie ne s'arrête pas et on aura plein de choses à partager ensemble. J'en suis sûr, notre amitié n'est pas un exercice TV, elle est sincère et vraie. Comme l'affection des téléspectateurs pour Michel Sarran.